Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube. Merci d'être là avec moi. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des messages, des liens. C'est vraiment très apprécié. On est le mercredi 17 novembre 2021, 15h43, heure du Québec. Rien ne va plus, c'est le bordel. Écoutez, c'est du jamais vu. L'humanité est sans dessus-dessous. Nos gouvernements sont tous totalitaires, tous fascistes. C'est à se demander, nous autres... Sur qui on peut compter? Probablement personne, même pas ton voisin. On est rendu dans une espèce de société où tout le monde se dénonce, tout le monde se pointe du doigt. On est rendu dans un cul-de-sac. Quand tu peux même plus compter sur tes semblables. Tes semblables, c'est qui? Tes semblables, c'est pas les politiciens. Tes semblables, c'est pas les médias. Tes semblables, c'est pas les artistes. Tu fais pas partie de ce club privé-là, toi. Tes semblables, c'est le pauvre monde en Afrique, le pauvre monde en Asie, le pauvre monde en Amérique du Sud, le pauvre monde en Amérique, le pauvre monde en Europe, le pauvre monde aux quatre coins du monde. C'est eux autres, tes semblables. Puis tes dirigeants, ceux qui sont dans le club privé, ont tout organisé pour que nous autres, les semblables, on soit tous divisés. Qu'on soit tous en train de se lancer des roches. Pendant qu'eux autres... dirigent, contrôlent, impriment l'argent, le gardent pour eux, s'en vont à la banque. Et sécurisent leur avenir, l'avenir de leurs enfants. Puis si jamais il y a quelque chose qui se passe ici qui va être, faire en sorte que c'est plus vivable, bien déjà, ils ont leur plan B. On dirait qu'ils sont tous rendus à la lune ou ils s'en vont tous à la lune. Ça, c'est la réalité. C'est dans ça qu'on vit. Nous autres, on est là à se tirer des roches entre nous autres, le pauvre monde. Alors qu'on devrait être solidaires, compter sur un et sur l'autre, se protéger entre nous. Eux autres, ils se protègent. Hein? Nous autres, on est là à s'exposer, à se dénoncer. Donc, tu vois que la nature humaine, waouh, elle n'est pas facile à contrôler. Ceci étant dit, on est dans un monde complètement surréaliste. Cette pandémie qui n'en finit plus de finir, là, il nous emmerde avec la quatrième, cinquième vague. Il y a plus de vagues avec cette pandémie-là, qui en a dans une finale de Coupe Stanley ou d'un match de Coupe du Monde, dans un stade rempli à craquer. Tu sais, la fameuse vague, quand tu es rendu en finale de la Coupe Stanley, il y a des vagues à toutes les deux minutes, là. Bien là, on a, je pense, dans la pandémie, on a plus de vagues que dans une finale de la Coupe Stanley. C'est parce qu'à un moment donné, là, soit ça finit ou... Dites-le nous, on est prêt avec ça jusqu'à la fin des temps, puis vous voulez faire tourner ça jusqu'à la fin des temps. L'économie est en train de s'effondrer. Pour nous, pas les riches. Les riches, écoute-moi bien, il faut que tu comprennes une chose, puis moi-même, j'en ai souvent, je me suis fait piéger à vous dire, oh, l'économie va s'effondrer, ceci, cela. L'économie va s'effondrer jamais de la vie. L'économie ne s'est jamais effondrée. L'économie a toujours été là. Il y a eu des soubresauts. Les pauvres ont perdu de l'argent? Non, ils n'en ont pas non plus. Donc, ça, c'est le point en commun entre les riches et les pauvres. Ils ne sont jamais affectés par quoi que ce soit. Les riches, facile à comprendre, ils ont tout. Les pauvres, bien, c'est aussi facile à comprendre. Ils n'ont rien. Ils ne peuvent rien perdre. Ceux qui perdent, c'est le troupeau de moutons, la gang de cabochons qui payent toutes les factures, qui travaillent comme un chameau, puis qui se fait arracher son argent par le gouvernement. Qui en redistribue un petit peu aux pauvres, pour les calmer. Il utilise les pauvres pour faire peur à la classe moyenne en lui disant, regarde, là, ils s'en viennent après toi, eux autres, là. Ils s'en viennent chercher tes jobs, t'as intérêt à être productif, puis à garder ta job, puis à payer, puis à payer, puis à payer. Puis eux autres, ils ramassent le jackpot, se foutent de nos gueules, puis s'en vont à la banque, puis ils sont dans l'opulence. Ça, c'est la réalité de ce qui se passe en ce moment. Donc, quand il y a une crise économique ou quand il y a un effondrement économique, c'est pas les riches qui écopent, c'est pas les pauvres. C'est nous autres, la classe moyenne, celle qui travaille, celle qui en arrache. Celle qui se fait exploiter. Donc, c'est ça qui est en train de se produire. Celle qui est en train de tout perdre. Pardon. Celle qui est en train de tout perdre, c'est la classe moyenne. On est en train d'aller la chercher, on est en train d'aller la plumer. Parce que c'est sûr que l'élite ne peut pas aller plumer les pauvres. Ils n'ont plus de plumes, puis ils n'ont jamais eu de plumes. La plupart de ceux qui sont pauvres sont nés dans la pauvreté. En passant, c'est très rare que tu
devient pauvre dans l'état de pauvreté là, qu'on connaît et qu'on déclare d'être l'état de pauvreté. Habituellement, c'est de génération en génération qu'on est dans la pauvreté. Parce que c'est un mode de vie des fois où, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est un autre mystère de la nature. Mais, c'est comme ça. Donc, ce qui te reste, si tu es dans l'élite, à aller plumer, ben, c'est la classe moyenne. Il y a un autre point en commun que les riches et les pauvres ont, ils ne payent pas d'impôts. Les riches ne payent pas d'impôts, on comprend pourquoi, ils ont toutes sortes d'échappatoires, ils se sont mis un système dans lequel ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les paradis fiscaux. Ça fait des décennies qu'on nous dit « Oh, ouais, ouais, on va s'attaquer aux paradis fiscaux. C'est une joke. » Puis à chaque scandale, les papiers de Panama, puis l'autre, il n'y a rien qui se produit, puis il n'y a rien qui se passe, puis il n'y a rien qui change. C'est de la distraction. On est dans le monde de la distraction. Les médias sont là pour vous distraire. Ils ne sont pas là pour vous protéger puis vous sauver le bon peuple. Les médias, c'est le protecteur de l'élite. Comprends-tu? Puis lui est là pour distraire le peuple. Avant, tu avais dans le temps des Romains, les colisées, puis on donnait des spectacles atroces, d'atrocités pour distraire le bon peuple. Là, on le distrait avec les médias. Comprends-tu? Parce que c'est comme ça qu'on contrôle le monde, c'est comme ça qu'on garde le pouvoir en distrayant les gens. Donc, les médias sont là pour te distraire du fait que tu es en train de te faire plumer parce que tu es le seul à avoir des plumes, puis qu'eux autres sont là à tout avoir. Puis les pauvres, ben eux autres aussi, ils ne payent pas de taxes et d'impôts. Ils n'ont pas d'argent, ils sont dans la merde jusqu'au cou. Puis ils l'ont toujours été, puis ils sont probablement toujours. Peut-être que c'est dans leur ADN, je ne sais pas, c'est un autre mystère de la nature. Puis nous autres, on est là à se pitcher des roches, puis à se tirer les cheveux entre nous autres, à jouer le jeu que les médias, qui sont le bras de cette élite-là, veut qu'on fasse, hein, veut qu'on joue, se diviser entre nous. De penser une seconde que ces gens-là, au pouvoir, ce club sélect, a quelque intérêt envers nous et est là comme notre protecteur. Donc les médias sont là pour te convaincre de ça dans ton pays respectif, en Russie, en France, au Québec, ailleurs. Le rôle des médias, c'est de te convaincre que ton système, ton parlement, ton système est formidable, puis est là pour toi. On fait ça en Russie, on fait ça en Chine, en Corée du Nord, au Québec, au Canada, pardon, aux États-Unis, en France, partout. Les médias ne sont pas là pour venir t'éveiller et te dire que le système est là pour t'exploiter puis t'abuser. Eux autres font partie du système, puis les marionnettes qui sont là devant les caméras, les liseurs de nouvelles, qui sont vraiment, la plupart du temps, vraiment pas bons. Si tu s'en vas à LCN au Québec, là, c'est surtout le matin, l'équipe du matin, ils sont tellement pas bons. La fille est tellement misérable, elle est tellement pas bonne. Puis le gars, c'est tellement un gros jambon. Mais c'est du monde qui ont accepté de jouer ce rôle-là parce qu'ils font partie du jet set, ils ont un bon salaire, ils ont des avantages. Puis ils font partie du jet set. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de lire ce qu'on leur met. Puis ils sont même pas capables de lire ça avec de l'entrain, de l'émotion. Puis ils lisent ça comme des robots. Puis ils sont même. Des fois, ils se surprennent à être capables de prononcer certains mots. Tu comprends? Eux autres sont là pour t'endoctriner puis te dire que tu es tellement en bonne main au Québec, par exemple, ou en France, avec ton Parlement, puis tous tes députés qui sont tellement dévoués pour ta cause. Comprends-tu? Puis que c'est important que tu te choisisses un camp. Soit les socialistes, soit La République en marche, soit le PQ, soit la CAQ, que tout ce beau monde-là, qui sont tous de la même famille, toute l'élite, ils sont là pour toi. Donc, les médias sont là pour te convaincre que ça va bien, que tu es dans un bon système. Puis les juges sont là avec les cours pour protéger ça aussi. Puisque là, tu t'es rendu compte pendant la pandémie, il y en a qui ont testé le système judiciaire puis la charte des droits. Tu n'en as plus de droits de prévus. Tu n'as plus de droits et pendant une pandémie, par exemple, ou quand le gouvernement décide, tu n'as plus de droits et libertés. Puis la Cour a confirmé ça cette semaine au Québec, une des cours. Ça va aller en appel, mais... Penses-tu que les juges qui sont nommés par le système, les politiciens, puis que la Cour de justice est là pour te donner, toi, le simple citoyen, des droits et libertés qui vont aller à l'encontre de tout le système? C'est de rêver en couleur. Donc, le morceau de papier que tu as sur le mur du Parlement ou ailleurs, dans ton Parlement respectif, de charte des droits et libertés... Ça ne vaut pas plus qu'un tas de marde de chien. C'est de l'illusion, ça aussi.
Penses-tu vraiment qu'il y a un juge qui va... La seule fois où les juges vont se référer à la Charte des droits et libertés et confirmer que tu as des droits et libertés, c'est que si tu viens pour faire défendre un droit d'une minorité ou d'un groupe minoritaire qui se pense harcelé ou victime de quelque discrimination que ce soit. Parce que ça paraît bien, puis on... Mais un vrai... Une vraie liberté puis un vrai droit, t'en as pas. Si tes maîtres te disent « tu vas te faire ceci ou tu vas faire cela, tu vas marcher dans ce chemin-là ou tu vas marcher dans ce chemin-là », va devant le cours. Va voir un juge ou une juge. Va voir ce qu'il va te dire. « Hey, c'est le boss qui a décidé, là. C'est comme ça que ça marche. T'en as pas de droits et libertés. » Les seuls droits et libertés que t'as, qu'on t'a reconnu, c'est que si tu veux être gay, ben on te donne tous les droits qu'un hétérosexuel a, ou peu importe. C'est une minorité, on va te donner... Mais des vrais droits et libertés, fondamentalement, t'en as pas. Et même si t'étais de la communauté gay puis que t'allais devant le juge pour dire « moi, j'en veux pas, par exemple, de cette obligation de passeport puis de vaccination », le juge te dirait « t'as pas le choix. Moi, je te donne des droits d'égalité en tant que gay face aux hétérosexuels, mais pour le reste... » T'en as pas des droits puis des libertés. Des privilèges. T'as des privilèges. Tes maîtres te donnent des privilèges. C'est comme ça que ça marche. Mais ça rentre pas dans la tête du monde. Qu'est-ce que tu veux que te... On pourrait parler jusqu'à demain matin sans dormir. Ça rentrerait pas dans la tête du monde. Ils sont convaincus du contraire parce qu'on leur a martelé ça à l'école. Que le système était tellement formidable dans lequel tu vivais. Tout est de distraction. Là, maintenant... L'économie va nous frapper, nous autres. Nous autres, on va y passer au cash. La classe moyenne, déjà, tu regardes le prix des maisons, c'est devenu inabordable. Il n'y a personne qui peut s'en acheter une. L'alimentation, tu vas mettre ta paye pour te nourrir bientôt. Là. Il ne te restera plus rien, mon chat. Il ne te restera plus rien. Tu vas avoir besoin de t'acheter une voiture. Tu vas avoir le prix des automobiles. Puis ça, c'est une autre affaire. Tu sais, quand ton gouvernement te dit « Ah, on a un beau programme » d'aide ou de subvention pour ceux qui veulent s'acheter, par exemple, une voiture électrique. Non, tu n'as aucune subvention directement, puis aucune aide. L'aide, c'est pour le constructeur automobile, parce que toi, tu ne l'as pas. C'est 12 000 $, disons, au Québec, après le programme, c'est 12 000 $. Tu ne l'as pas. Le gouvernement le donne au constructeur quand tu t'en vas l'acheter, puis tu signes le contrat. C'est tout de la bullshit, ça. Constructeur, lui, il jump le prix. Il augmente le prix d'au moins 12 à 15 000, peut-être plus, pour te donner l'illusion que, oh, le petit 12 000 $ du gouvernement, ça vient t'alléger ton prix. Bullshit, c'est encore là de la bullshit. Quand le gouvernement donne des subventions puis de l'aide aux riches puis aux entreprises de riches, c'est pas comme ça que ça marche. Il leur envoie l'argent directement puis eux autres font ce qu'ils veulent avec. Comment se fait-il que nous autres, le petit monde, qui finançons toute cette société-là, tout ce gouvernement-là, puis toute cette classe de riches-là, nous autres, on n'est jamais capable d'avoir l'argent directement? C'est fictif, le 12 000 qu'ils te donnent, tu ne l'as pas. Qu'est-ce qui me garantit que j'ai vraiment 12 000 $ de rabais, le prix fictif que le constructeur automobile met sur son contrat? Bullshit! Si c'était des gouvernements honnêtes, il nous enverrait l'aide directement, nous autres, pour une fois. Tu veux t'acheter une voiture électrique? OK. Prouve-moi que tu l'as acheté. Envoie-moi une copie de ton contrat, puis je t'envoie un chèque de 12 000 $ chez vous. Comme je fais aux riches, puis aux grandes entreprises qui ont besoin de subventions quand ils sont en problème ou d'une subvention pour les attirer. Ou... Envoie-le-moi l'argent. Laisse-moi aller négocier avec le contracteur automobile le meilleur prix, comme je fais. Avec une voiture régulière à l'essence. Hein? Quand ils ont des fins de mois difficiles, les dealers de chars et les concessionnaires, hein, tu t'en vas les voir puis tu serres la vis, ben, ils te le baissent le prix parce que c'est toujours comme ça. On essaie de te le vendre le plus cher possible. Puis si tu as le courage de négocier, ben, tu vas avoir des économies par rapport à quelqu'un d'autre qui ne négocie pas. Donc, laisse-moi aller voir mon vendeur de chars électriques moi-même, là. Puis aller négocier le meilleur prix parce qu'il n'en vend pas tant que ça, des crises de voitures électriques, OK? Laisse-moi signer le contrat, puis l'acheter.
m'ont envoyé une copie, tout le gouvernement, puis envoie-moi un chèque de 12 000 $ puis moi, je ferai qu'est-ce que je veux avec ce petit 12 000 $-là. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que c'est de la merde, c'est de la poudre aux yeux. Puis c'est encore là pour servir juste l'élite, puis toi, tu te fais enculer. Même chose avec les programmes de rénovation domiciliaire pour améliorer l'éco-énergie de votre maison. Le gouvernement vous offre une subvention bidon, encore une fois, de, je sais pas, 20 000, disons, ou 5 000, ou 6 000. Encore là, toi, tu l'as pas, cette crise d'argent-là. Il envoie ça aux fabricants ou aux vendeurs de fenêtres. Non! Laisse-moi aller négocier avec ce crosseur-là, parce que c'est tous des crosseurs. Tous les businessmen sont des crosseurs. Penses-tu que ça, là, toi, pour le bien-être de l'humanité, c'est pas des organismes de charité, ça, là. C'est des hommes puis des femmes d'affaires. Puis le seul et unique but d'un homme ou d'une femme d'affaires, c'est d'enculer. La preuve en est, c'est qu'il n'y en a pas un qui se fait confiance entre eux autres. Quand deux hommes d'affaires ou femmes d'affaires sont en train de négocier une entente, ils présument automatiquement que l'autre veut l'enculer. Puis qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils s'arrangent pour aller encore plus vite que l'autre pour l'enculer encore plus profondément. Il n'y en a pas un qui se fait confiance, tous des crosseurs! Mais quand ils se présentent devant le client, ils ont tout le beau sourire. C'est comme ça que ça marche. Tout le beau sourire devant le client. Pendant qu'ils se positionnent confortablement derrière le client, baissent leurs pantalons et vous donnent le service à la clientèle. Tu voulais savoir c'était quoi le service à la clientèle? Ben maintenant tu le sais c'est quoi le service à la clientèle. Celui qui a créer l'Office de la protection du consommateur devait saigner abondamment de l'anus. Donc, laisse-moi aller négocier avec le crosseur qui vend des fenêtres le meilleur prix, parce qu'il n'en vend pas tant que ça des crises de fenêtres et des portes. Tout le monde est cassé, OK? Quand tu regardes autour de chez vous, vois-tu, toi, des centaines de maisons dans ton quartier t'es en train de se faire rénover? Non! Laisse-moi aller négocier le prix, m'envoyer une photocopie de ce contrat-là que je viens de signer avec le vendeur de fenêtres, là. Puis toi, le gouvernement, tu m'enverras le 5000 $ dans mes poches. Ça, ça va changer nos vies. Donc, tout est de l'illusion. On se fait toujours avoir. Par les hommes et femmes d'affaires, par les organismes de charité, ça, c'est une autre belle bande d'enculés, puis par nos gouvernements. Puis tout ça, orchestré dans la distraction par nos médias. Parce que tes médias vont dire « Oh mon Dieu, le gouvernement du Québec est tellement formidable et tellement généreux, chers Québécois, Québécoises, il vous a mis un grand programme de subventions. Fuck you, puis fuck tes subventions. Envoie-moi l'argent. » Ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que c'est une illusion. Tu te fais avoir, encore une fois. Là, on est dans une espèce de période complètement surréaliste. Puis là, tu le vois, tous les gouvernements sont exposés. Tous les gouvernements sont totalitaires. Je te l'ai expliqué ce matin, je pense. Il n'y en a pas un qui est moins totalitaire que l'autre. Ils sont tous totalitaires, chacun à leur façon. Ils ont chacun, comme une femme, a un garde-robe ou un homme a un garde-robe avec plusieurs vêtements, plusieurs looks. Les gouvernements sont tous totalitaires, mais ils ont chacun leur look. Kim Jong-un a son look. Vladimir Poutine a son look. Angela Merkel avait son look. Emmanuel Macron a son look. François Legault a son look. Et toutes les autres aussi ont leur look. Mais c'est tous des totalitaristes. Puis qui t'imposent. Puis là, on le voit dans la pandémie encore plus. C'est un réveil, c'est un choc. Mais il y en a qui ne le voient pas, ça. Mais il y en a qui le voient. Là, on est en train d'assister aussi à une volonté de la Chine, de la Russie, d'aller chercher des territoires. Moi, je te le dis, tout ce qui nous manque, là, de toute la misère qui est là, qui est en train de s'installer pour nous autres, il ne peut pas y avoir une misère qui s'installe pour les pauvres. Ils sont déjà dans la misère depuis leur naissance. Puis les riches, ils ne seront jamais touchés par la misère parce qu'ils sont riches, tu comprends? Donc, la misère est en train de s'installer chez nous, la classe moyenne. On est en train de la pandémie qui n'en finit plus de finir. Tu as les crises d'approvisionnement, les pénuries de, apparemment, de travailleurs, travailleuses. Ça va vraiment mal. L'espace, ça va mal. Tu as vu ça, les Russes qui ont fait sauter un de leurs propres satellites, ils l'ont admis, mais
Tout les Américains qui s'offusquent de ça, mais ils l'ont déjà fait. Ils ont déjà fait sauter un de leurs satellites, les Chinois aussi, puis les Indiens aussi, donc. Mais c'est un jeu de distraction de la part de Poutine. Formidable, le manipulateur, prestidigitateur, s'il en est un. Ça fait longtemps qu'il est là, lui-là. Faut que tu sois un vrai prestidigitateur pour être encore là, avec tout ce que tu as commis, puis tout ce dont on t'a accusé, hein, de meurtre, tentative de meurtre, d'empoisonnement, puis ils sont toujours là à revenir à Poutine, puis à y serrer la main. Comprends-tu? S'il est si horrible que ça, moi je ne le sais pas. Si tu me présentes quelqu'un comme Vladimir Poutine, moi je suis un dirigeant d'un pays X, Y ou Z, puis qu'on te le présente comme un, tu sais, vraiment un monstre, 40 ans au KGB, à torturer, puis après ça, plusieurs années comme président, s'en va, fait changer la constitution par Medvedev, son dauphin fantoche, pour un mandat, juste pour qu'il puisse revenir pour régner jusqu'à la fin de sa vie, a empoisonné des opposants, emprisonné des opposants, empoisonné des journalistes, tué des journalistes, puis envahi l'Ukraine, c'est un monstre. Moi, je sais pas, mais j'ai pas envie de serrer la main à un monstre, si je suis vraiment sincère. Mais si je suis dans le même club select, parce qu'on est tous là, dans le même club select, juste à jouer un rôle, là, je peux comprendre. C'est comme ça qu'on peut l'expliquer, ce qu'on voit et ce qui se passe devant nos yeux. Mais toi, te vois-tu en tant que Philippe, Jean-Robert, ou peu importe ton nom, Françoise, serais-tu capable de serrer la main à un monstre, de dialoguer avec un monstre, de négocier avec un monstre, de manger avec un monstre, de t'asseoir à la même table qu'un monstre? Je pense pas. Sauf si tu joues un rôle. Parce que peut-être que tu es aussi monstrueux, puis tu es dans le même club select, puis que, naturellement, il y a une loi non écrite qui fait qu'on se tolère entre monstres. Puis on va pas commencer à s'exposer. Puis pourtant, nous autres, on le fait, le petit monde, on se lance des roches, on s'expose, on se traite de tous les noms. Tu as vu comment ils sont smart, l'élite, les riches, puis les dirigeants, ils sont vraiment smart. Vraiment smart. On devrait prendre une leçon d'eux autres. Là, ils s'en vont attaquer, hein, un satellite. Puis là, ça distrait le monde. Pendant ce temps-là, tu as les pauvres Ukrainiens qui se retrouvent à la frontière avec des centaines de milliers de soldats russes qui attendent juste le signal. C'est tout ce qui nous manque, là. La Chine, la même chose avec Taïwan. Joe Biden qui est allé dire dans sa rencontre avec Xi Jinping hier, hein, pendant des mois, on nous a dit, oh, la Chine sont responsables de la pandémie, la Chine, on va les tenir responsables. La Chine est responsable de notre dépendance économique, de notre dépendance industrielle, de notre dépendance pharmaceutique, et patati patata. Tout à coup, il n'y a plus rien qui tient. Xi Jinping, un grand maître qu'il est, prestidigitateur, mais c'est tout le même monde. Il est arrivé à la COP26 dans une conclusion dramatique, comme toutes ces COP26 puis toutes les autres conférence sur le climat. Il n'y a rien qui se passe, sauf à la fin. C'est comme un match de basketball. Je ne sais pas s'il y en a qui suivent le basketball. Le basketball, tu peux regarder ça, le match, pendant une heure et demie, c'est plate à mourir. Puis là, à la fin, il y a toujours... C'est toujours à la fin que ça se passe. Donc, tu veux un conseil, regarde pas le match de basketball. Il arrive juste pour la dernière minute ou les dernières 30 secondes. C'est là que ça se passe. Même chose avec les conférences sur le climat. C'est tout un spectacle, la plupart du temps, de nos élites blanches. Parce que je veux dire une chose, c'est ça que le Guardian nous disait ce matin. Tu te rappelles, je te l'avais montré, je vais te montrer encore la une du Guardian. La COP26 sera la plus blanche et la plus privilégiée de tous les temps, avertissent les militants. Oui, parce qu'il y avait juste les élites blanches, les gouvernements blancs, parce que les autres pays sont soit pris avec nos guerres qu'on leur a envoyées, ou ils sont pris à essayer de se nourrir, puis de trouver de l'eau depuis des décennies, juste pour passer la journée. Ils n'ont pas le temps d'aller niaiser avec le climat, la température va s'augmenter d'une fraction, d'un dixième de pourcent de degré ou d'un demi-degré ou deux degrés d'ici 200 ans. Ils ont du monde à nourrir. Le pauvre monde de ces pays-là, la plupart de couleur de peau noire, ben ils sont occupés à juste passer toute une journée pour se trouver une gorgée d'eau. Penses-tu qu'ils ont le temps d'aller se pavaner? Donner un spectacle en jet privé, en Hummer, en Maserati, puis en limousine de toutes sortes, pour se demander, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire pour empêcher le cycle naturel
du climat de peut-être augmenter de un dixième de degré ou un degré ou un degré et demi d'ici 150 ans ou 200 ans. C'est l'urgence. Puis là, tu avais ce vieux blanc-là qui était sur le plancher de la COP26. Là. J'essaie de retrouver l'extrait, mais vous l'avez vu à Euronews, ça roulait pendant 2 jours. Ils ont fait rouler ça pour essayer de nous émouvoir. Imagine les pays africains qui voient ce vieux blanc-là qui est là. Oh, j'ai reçu une photo de mon petit-fils, puis là, je me suis dit, je ne voudrais pas que dans 50 ans, ils soient obligés de se battre pour avoir accès à l'eau. Hé! Hey! Fait des décennies qu'en Afrique, ils sont pas capables de trouver un verre d'eau. Tu t'en avais rien à foutre, le vieux? Oh, parce que là, c'est la préoccupation du monde blanc. Vois s'il va manquer d'eau dans 50 ans. Il y a de l'eau partout. Sauf dans des pays où il n'y en a pas. Puis il n'y en aura jamais, en tout cas pour l'instant. Sauf si on leur en envoie, mais le climat de ces pays-là fait en sorte que c'est historique, c'est cyclique, fait des milliers d'années qu'il n'y en a pas. Il n'y en aura pas plus demain matin. Puis nous autres au Québec, on a 75 000 lacs et rivières. Je ne pense pas qu'ils s'assèchent non plus demain matin. Comme disait Einstein, rien ne se perd, rien ne se crée. C'est juste une circulation. Mais d'avoir vu ce vieux blanc-là s'inquiéter pour sa petite paire de fesses, puis la paire de fesses de son petit enfant d'un an. Oh, je ne voudrais pas qu'il... Pathétiquement, venir... Puis il n'y a personne, je ne comprends pas, de nos médias qui sont toujours là hein, à nous lancer à la gueule. Oh, vous êtes des racistes, c'est raciste, ça c'est raciste. Ça, c'était quoi? Oh, mais là, ça fait votre affaire parce que on vend la salade. Hein? La salade printanière. Parce qu'à un moment donné, moi, je veux bien. Moi, je suis de aucun côté, je suis d'aucune affiliation politique. Quand ça a du sens, je suis bien d'accord avec ça, mais la plupart du temps, ça n'a jamais. Puis je vous l'expose. Puis ça, c'était complètement scandaleux de voir ce vieux pépère-là. Hein? Moi, j'aurais aimé plutôt l'entendre dire « On est encore privilégié, puis même si la température augmente d'un degré de 150 ans, il faudrait peut-être commencer à penser à aider ces pauvres pays qui devaient soit... Depuis la création de l'ONU, qu'on promet qu'on va les aider et les sortir de la merde, puis on a envoyé des quadrilliards de dollars, puis encore là, c'est pas allé dans leur poche, naturellement. Comme l'aide pour t'acheter ta subvention pour une voiture électrique ou de changer tes portes de fenêtres, ça va pas dans tes poches, ça va dans les poches toujours du même monde. Puis toi, tu payes toujours le gros prix, anyways. Toute l'aide. Hey, si on avait pris toute l'aide depuis 50 ans que nos gouvernements ont donné pour sortir le monde de la pauvreté, eh, ciboire, on serait tous millionnaires, puis eux autres aussi seraient millionnaires là-bas. Là. Il est parti où cet argent-là? Il est disparu. Il est allé dans des poches d'intermédiaires. Au nom de la lutte contre la pauvreté, toi, tu vas me dire que la pauvreté est éliminée. Tu vis dans quel monde illusoire? Comprends-tu? Ben, c'est ça. Donc, si tu penses que ce continent-là africain avait le temps d'aller niaiser à la COP26 parce qu'il y a un vieux qui pense qu'il va manquer d'eau dans 50 ans pour son petit-fils blanc, ben, you're dreaming, my friend. You're dreaming. Il y avait d'autres choses à faire, eux autres. C'est incroyable. Donc, là, tu te retrouves... C'est tout ce qui nous manque. Là, ils vont nous préparer. Sûrement, ils vont se trouver la Chine. Là, t'as Joe Biden qui a dit, oh, nous autres, sais-tu quoi, faut qu'on s'entende avec la Chine. On en a besoin. Faut qu'on fasse baisser les prix. Parce qu'il y a de l'inflation. On a besoin de toute la poubelle que la Chine fabrique à une pièce et à une pièce et demie. Parce qu'il faut qu'on fasse baisser l'inflation parce qu'il y a une élection qui s'en vient bientôt. Eux autres, ils pensent juste à eux autres, là. Puis à garder le pouvoir. Autant les républicains que les démocrates, ils en ont rien à foutre de ta gueule. Il n'y a personne qui en a rien à foutre de ta gueule. Oh, puis Taïwan, ben là, nous autres, écoutez, hein, Biden, ça ne nous regarde pas vraiment, là. On n'aime mieux pas... C'est pas vraiment un territoire indépendant. Là. Donc là, la Chine a eu le feu vert parce qu'ils sont venus se présenter à la COP puis elle a eu le feu vert pour revenir sur la scène mondiale après qu'on l'ait démonisé hein, depuis quelques mois parce que ça faisait l'affaire des politiciens pour vous faire avaler tout le totalitarisme qu'on vous a imposé. Et là, la Chine revient sur la scène internationale comme la grande sauveuse de la COP26, la grande sauveuse de l'inflation. Puis pendant ce temps-là, ben, eux autres, ils vont aller chercher ce qu'ils ont envie d'aller chercher. Taïwan. Probablement, ben, Hong Kong, c'est déjà fait. Puis toutes les autres revendications territoriales. Hein?
dans le coin, mais il y a d'autres pays peut-être qui vont trouver ça moins drôle. L'Inde, les Philippines, le Japon. On verra comment ça va, Corée du Sud, comment ça va se terminer, tout ça. Mais les États-Unis ont donné le feu vert parce que Joe Biden a besoin de la Chine. Naturellement, d'abord, la famille Biden fait beaucoup d'argent en Chine, beaucoup d'affaires. Mais c'est pas les seuls. Mitch McConnell, le chef de la minorité maintenant, mais avant de la majorité, sa femme est chinoise et ils ont reçu plein d'argent de plein d'intervenants chinois. Tous les politiciens sont corrompus. Comprends-tu? Ça, c'est comme quand les républicains se plaignent d'être bannis puis d'être, comment dire, censurés par les grandes plateformes comme YouTube, Facebook, Instagram et d'autres. Ils ont eu le pouvoir avec Donald Trump pendant 2 ans, leurs deux premières années, la Chambre, des représentants, le Sénat, plus la Maison-Blanche. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour réglementer ça? Rien. Parce qu'eux autres ici, ils sont dans le gimmick, comme tout le monde. Ils font juste se plaindre, mais il n'y a rien qui se fait. Parce que c'est des entreprises privées. Puis si tu n'aimes pas ça, tu t'en vas ailleurs. Tu n'aimes pas ça Facebook? Tu n'aimes pas ça YouTube? Tu t'en vas ailleurs, man. Il n'y a personne qui te force d'être là. Puis il faut que tu respectes. Moi, je respecte les normes puis les règles de YouTube. Puis YouTube me permet de m'exprimer, mais il faut que tu restes dans des limites quand même acceptables. Moi, je pense pas que j'ai pas l'air d'être censuré, là. Parce que je vous décris ce qui se passe, puis je pointe du doigt tout le monde. J'accuse personne en particulier, puis je fais rien de personnel. Donc, tu as quand même beaucoup de liberté, sauf que il y a des limites. Il y a des limites sur la route avec la vitesse, il y a des limites dans la société, il y a des choses que tu peux faire, d'autres que tu ne peux pas faire. C'est comme ça aussi sur leur plateforme. Puis c'est un produit privé. Si tu n'aimes pas ça, ben tu vas te faire voir ailleurs. C'est aussi simple que ça. Donc, là, moi, ce que je pense qui s'en vient, c'est sûr et certain que tu as un conflit qui s'en vient. Tous les ingrédients sont là. L'histoire nous apprend que oui, tout ce qui nous manque, c'est une guerre. Une guerre majeure, pas des petites guerres par procuration dans un autre pays. Non, une vraie guerre. C'est obligé. Est-ce que ce sera dans l'espace? Est-ce que ce sera dans l'espace et sur Terre, dans l'air? Je ne sais pas, mais c'est sûr. Moi, je vous le dis, ce qui s'en vient, puis dans pas grand temps, puis tu le vois avec l'escalade. Tu le vois avec la Russie, tu le vois avec la Chine, même si les États-Unis vont baisser les bras devant la Chine qui vont envahir Taïwan, tu as d'autres pays dans cette région-là qui pourraient réagir. Je ne sais pas si cette fois-là, l'Europe va laisser Vladimir prendre l'Ukraine ou d'autres parties de l'Ukraine, mais ce n'est pas fini ce conflit-là. Ça va être une histoire à suivre. Mais pour le reste, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui changera parce que on n'a pas l'air de vouloir changer nous autres. Puis tu ne peux pas avoir une baguette magique pour faire changer tout le monde. Puis c'est pour ça que l'élite règne, puis elle le sait, ça. Elle connaît la nature humaine. Donc fais tes petites affaires, sois conscient de ce qui se passe, mais occupe-toi aussi de ta vie pour la rendre meilleure pour toi-même. Parce que, je vais te dire une chose, il n'y a personne, puis il n'y a pas un système qui va la rendre meilleure, ta vie. Le paradis, puis le système de la perfection, puis l'Eldorado, c'est pas ici, ça, mon chum, ça, c'est dans les romans de fiction. Je vous reviens.